Salut les copains, ici Boyasness. Il est 5h du matin, on est le dimanche 1er novembre. Donc là, je me tromperai pas parce que je le sais, je l'ai bien regardé avant. On va faire un petit live pour les vide-greniers comme d'habitude. J'espère que cette vidéo va vous plaire. J'espère qu'il va faire beau, qu'il y aura du monde et qu'on va se faire plaisir. Je vous dis à bientôt, à tout à l'heure pour le compte rendu. Bye l'équipe. Mario. Bonjour. Bonjour. C'est tous des jeux à l'ancienne, ça. Vous en avez d'autres, madame? Les? Des jeux comme ça. Et tout ça. C'est tout ça. D'accord. C'est tous des jeux quelques peu. Électronique, ouais. C'est ce que je recherchais. Électronique, non. Bon les copains, il est 6h30, on décolle un peu de Marseille. On n'a pas vu grand chose, donc on va décoller un peu, on va sortir un peu de Marseille, voir un peu ce qui se passe ailleurs. Ça fait un moment que je ne suis pas allé dans ces coins-là. C'est souvent Axel qui va, c'est souvent Conquerax. Donc là je ne l'ai pas croisé aujourd'hui, on verra bien ce que ça peut donner. Donc voilà, à tout à l'heure l'équipe, bye. Ça fait 15. Non. Bonjour. Vous la vendez combien, s'il vous plaît? Vous m'arrangez le meilleur bouquin. Vous avez déjà acheté? Non, j'en ai plus. Allez, s'il vous plaît. Non! Vous les vendez combien, s'il vous plaît, les pièces? Non, non, c'est ça du tout. Par contre, il est encore trop petit, cet animal. Le petit, un euro. D'accord. Ah, madame. Vous les avez vendus. La couverture. Je fais une livraison aussi. Ah, d'accord. Ah, bonjour. Vous avez... Même des clous, même des clous rouillés, je vois. Et voilà, les copains, ben on rentre doucement. On va faire un petit compte rendu. J'espère que ça va vous plaire. Pas eu énormément de trouvailles, mais j'espère que ça vous plaira. Bye l'équipe. Bon voilà les copains, on n'a pas trouvé grand chose. On a pu trouver quelques DVD Disney. Ces 5 là, La Belle au Bois Dormant, Mary Poppins, Sortilège de Cendrillon, Cendrillon 2 et Nemo, avec pas mal de Les Pet Shops. Tout ça pour 8 euros. Ce matin j'ai un pote, il a trouvé une Game Boy SP pour moi. Elle est plutôt propre. Pour la somme de 5 euros. Et pour finir, hop, que des DVD Disney. Pour la somme de 7 euros, j'ai eu 14 DVD Disney. Souvent des doubles que j'ai déjà, Le Roi Lion, Lilo et Stitch, Tarzan, encore Le Monde de Nemo. Le Roi Lion 2, Frère des Ours, 8000 oursons. Celui-là, je crois que je l'ai passé à Aladdin, Le Roi des Voleurs. Tarzan et Chaudron Magique. Un pas courant, Les Trois Mousquetaires, Le Livre de la Jungle 2, Tarzan 2, Pocahontas, Tarzan, et le dernier, on va dire le meilleur pour la fin, Le Retour de Jafar. Il me semble que celui-ci, je ne le possède pas également. Ça a vraiment été un petit vide-grenier, donc j'ai utilisé 7 euros, 7 et 8, 15, 15 et 5, 20 euros. Voilà, j'ai utilisé seulement 20 euros pour ce petit vide-grenier du dimanche 1er novembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis au prochain live. Bye l'équipe. Bon voilà les copains, vous avez peut-être pu voir ce très 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 court petit live. Franchement, ça a été 4-5 minutes à tout casser avec le compte rendu.
On n'a pas trouvé grand-chose, mais vraiment, elle a été calme cette journée. J'espère que ce petit live vous a plu. Je vous montre un peu en avant-première un peu ben, mon plan de travail avec un peu tous mes dernières rentrées. Donc on peut voir un peu du SNES, enfin pas mal de SNES, de la Game Boy. Souvent ce que j'ai pu trouver en vide-grenier. Donc je vais changer également le clavier. L'ordi vient d'être changé. On a du Super Famicom que j'ai trouvé récemment dans le lot. Du Game & Watch qui reste de la dernière fois. Et voilà. C'est vraiment un tout petit rangement. Regardez, on va vous montrer un petit peu les nouveautés. Je ne sais pas si on voit bien avec les reflets des boîtes. On voit un très 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 beau titre. Hop, on va essayer de sortir. Peut-être tout simplement, on voit le titre. Voilà, franchement, c'est juste en avant-première. Demain, je dois faire les travaux pour le nouvel emplacement pour ma collection. Donc, c'est un petit peu en vrac, c'est encore dans les cartons. On a branché seulement la Wii U pour jouer. Je fais un petit peu des lives, donc vous avez pu voir les lives sur YouTube. Je vais essayer de me mettre un peu sur Twitch, mais c'est vrai que je galère pas mal avec le PC à faire le raccordement pour la console. Il va falloir que j'achète un AVerMedia. Donc voilà. C'est vraiment un tout petit truc pour vous dire, ben, même les consoles, si la Super Nintendo, la 64, c'est un peu en vrac. La borne arcade n'est plus branchée depuis à peu près 2 mois. Donc on est vraiment dans les travaux purs et durs. J'espère que ces vidéos vous plaisent. C'est vrai qu'en ce moment, je fais vraiment que des lives. Je fais plus de top, j'ai plus trop le temps avec les travaux. Donc voilà, c'est vraiment que des petits lives en ce moment. Ça va reprendre doucement dès qu'on va avoir un peu plus de temps. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ces petites explications vous conviendront. En tout cas, on est presque 2483, je crois, si j'ai bien regardé le chiffre il n'y a pas très longtemps. Je tiens à féliciter encore Conquerax avec ses 5000 abonnés. Ben, franchement, il le mérite. C'est amplement mérité. C'est vraiment une personne au top. Comme il a pu le dire, franchement, les rencontres, quand on tombe sur des abonnés à nous en vide-grenier avec qui on parle, on sent vraiment que notre travail leur plaît. Donc, c'est avant tout ce but-là qu'on recherche. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère à bientôt. C'était Boyasness. Ciao l'équipe.